Hello, hello, hello! Hello les curieuses, on se retrouve pour le live hebdomadaire. Donc le mardi à midi. Voilà, je vous laisse arriver. J'espère que vous avez passé un bon réveil de Noël, que vous avez été gâtés. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement parce que je vais vous parler d'un sujet hyper important. Pour vous aider notamment à prendre conscience de la pyramide de la conscience pour savoir comment transformer vos prospects en clients. Touk, touk, touk. Alors, je vous laisse arriver. Vous me dites si vous êtes là. Oh, il y a déjà du monde. Hop, faites-moi un petit coucou. Je vais essayer de vous trouver sur mon téléphone parce que l'autre fois, je n'ai pas vu vos commentaires en direct la dernière fois. J'aimerais bien aller voir en direct et ça ne s'affiche pas toujours sur ordi. Voilà. Bonjour Annie. Bonjour Ariane. Bonjour Carole. Bonjour Armel. Top, top, top. Comment ça s'est passé pour vous? Le réveillon, les cadeaux, tout. Là, je vais vous faire un cadeau pour celles qui ne connaissent pas encore la pyramide de la conscience, les étapes pour passer, voilà, pour transformer vos prospects en clients. Je vous laisse arriver encore une minute. Vous êtes déjà pas mal. Alors, pourquoi je ne vous vois pas? Juste, je regarde, je voudrais être sûre. Donc, voilà. J'y suis. Je vous ai. Top. Alors. Je vais vous parler donc des 5 étapes pour transformer votre prospect en client. C'est également alors, la pyramide de la conscience. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer en fait comment faire pour que les personnes qui vous suivent, donc vos suiveurs, vos lecteurs, les membres, etc., comment faire pour que ces personnes-là, à un moment, deviennent vos clients. Donc, vous allez imaginer avec moi, on a une pyramide. Et donc, le bas de la pyramide représente les personnes qui ne vous connaissent pas, ne savent pas ce qu'elles ont comme problématique, comme désir inassouvi. Elles vous voient passer à un moment, soit dans leur fil d'actualité, soit en publicité, etc., etc. Mais elles ne sont pas conscientes à ce stade-là qu'elles ont un besoin. Donc le bas de la pyramide, c'est donc le socle, hein, et il est assez large par rapport évidemment à une pyramide. Et il faut vous imaginer que le bas de la pyramide représente également la longueur de votre tunnel de vente. Donc, tunnel de vente, pour faire une petite parenthèse, un tunnel de vente, c'est un système qui consiste à faire entrer les personnes qui ne vous connaissent pas dans un tunnel par le biais de posts, de publicités, d'emailing, voilà, d'un e-book, d'une webconf, peu importe, de les faire entrer dans ce fameux tunnel et de les amener étape par étape, d'accord, à prendre conscience que vous êtes la personne qui va pouvoir les aider et de les amener à être à un moment votre client. Parce que idéalement, vous pourrez l'aider. Donc, le tunnel, moins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moins la personne est éduquée, moins la personne comprend, moins la personne sait ce que vous faites, moins la personne sait qu'elle a un problème, moins la personne sait que vous êtes la bonne personne pour l'aider, ou plus exactement, plus la personne est loin de vous, plus votre tunnel va être long. Parce que vous allez devoir forcément éduquer cette personne. D'accord? Donc, vous allez lui faire prendre conscience petit à petit qu'il a un désir inassouvi ou un besoin de vous. Okay? Donc là, on est dans le bas. Donc, il est, on va dire, le bas de la pyramide, c'est votre prospect est inconscient de son besoin. Donc, pour le rendre conscient, vous allez devoir communiquer. Petit à petit, là, il va vous suivre de loin en loin, parce que vous allez communiquer de manière régulière, évidemment. Il va prendre conscience de ce besoin. Donc, deuxième étape, l'amener à prendre conscience qu'il a un besoin. Donc là, on va entrer dans une phase un peu marketing, une campagne de conversion, on va dire ça comme ça. Donc, vous allez, là, il se dit, OK, je me rends compte que j'ai un besoin, que j'ai quelque chose, mais par contre, à ce stade, deuxième étape, il ne sait pas encore qu'il y a une solution. D'accord? Donc, votre tunnel, évidemment, se réduit parce que
il a franchi donc votre pyramide et votre tunnel se réduisent parce qu'il a franchi une étape, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il a un besoin. Tout ça, comment? Mais parce que, en fait, vous partagez, vous communiquez, vous parlez à votre avatar de ses problématiques, des solutions, etc., etc. Et petit à petit, il se dit, ah, mais tiens, ça ressemble un peu à ce que je ressens, ou ça ressemble à ce dont j'ai besoin. Tiens, ça a l'air d'être fait pour moi. D'accord? Donc, là, il vient de passer la deuxième étape, il est conscient de son besoin. La personne va continuer de vous suivre, de vous regarder de loin en loin, s'abonner à votre groupe, à votre newsletter, etc., etc. Et là, va prendre conscience, votre prospect va prendre conscience qu'il y a une solution. D'accord? Et donc là, il est donc conscient qu'il a un problème ou un besoin, et il est conscient aussi qu'il y a une solution. D'accord? Donc vous voyez, quand je vous parle souvent, celles qui me suivent savent que je parle souvent d'éduquer son prospect. Parce que ben vous comprenez bien que si vous ne connaissez pas qu'il n'est pas conscient, il est vraiment très loin de vous. Plus vous l'éduquez, plus vous lui donnez de l'information, plus vous l'enrichissez, plus vous lui expliquez des choses, plus il prend conscience qu'il a besoin de vous et qu'il y a une solution. Donc à ce stade-là, c'est donc la troisième étape. Le prospect est conscient du problème et il est informé qu'il y a des solutions disponibles. OK? Donc là, on voit bien que votre prospect, il vous suit déjà depuis un petit moment. Donc il se dit, tiens, c'est quand même vraiment pas mal ce qu'elle me propose, ce qu'elle fait, est-ce que c'est vraiment pour moi, etc., etc. Et là, il va passer donc à une étape, à la quatrième étape, où il va prendre conscience qu'il y a un produit. En fait, il va prendre conscience. Juste avant, il était conscient qu'il y avait des solutions possibles, mais pas assez précisément. Là, dans la quatrième étape, il est conscient, votre prospect est conscient qu'il y a un produit qui répond exactement à son problème, à son besoin. D'accord? Donc là, le prospect se familiarise avec les différents produits et les différentes solutions, enfin les différents produits, oui, ou les différents services qui lui proposent une solution. On est arrivé donc au quatrième étage de cette pyramide, ou à la quatrième étape, où le prospect se dit, OK. Je m'intéresse vraiment à qui va pouvoir m'aider, quelles sont les différentes formules, etc., etc. D'accord? Donc là, on est arrivé là-haut. Et puis bien sûr, il y a la cinquième étape. Et la cinquième étape, bah, c'est la pleine conscience. Là, il est archi conscient, votre prospect. Et c'est l'étape qui correspond à la vente. Les étapes précédentes, c'était des étapes de marketing, en fait, où voilà, on discute, on informe, on donne de l'info, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, à travers des posts, des e-books, des masterclass, tout ce que vous voulez qui fait que la personne va faire connaissance avec vous et va prendre conscience de votre expertise, de votre authenticité, voilà, de qui vous êtes, et se dire, OK, c'est pour moi. Donc, on arrive donc à la cinquième étape, qui est l'étape de la vente, qui est l'étape de la pleine conscience. Alors là, j'ai noté, hein, les phrases un peu plus longues pour vous. Le prospect connaît le produit, connaît le service. Il sait ce qu'il y a à sa disposition et il sait aussi ce que ça va lui coûter. D'accord? Donc, il sait que pour atteindre l'objectif qu'il se fixe, il connaît la solution, il connaît le service et il connaît son prix. D'accord? Il sait ce que ça va lui coûter. Il connaît l'offre, en fait. Maintenant, ce qu'il lui faut, ben, c'est la petite différence qui fait que il va lui falloir une bonne raison pour acheter. Et là aussi, ça fait partie de tout ce que vous allez partager, de tout ce que vous allez donner, qui va faire que votre prospect va se dire, cette personne correspond exactement, non seulement son offre, son produit correspond exactement à ce dont j'ai besoin, mais la personne elle-même est la personne avec qui j'ai envie de travailler, à qui j'ai envie d'acheter quelque chose, c'est la personne la mieux placée pour m'aider, etc., etc. Tout ça fait partie de la pyramide, de cette fameuse pyramide où vous devez donner de l'info pour montrer votre expertise, partager des choses, mais aussi vous faire connaître pour pouvoir arriver à ça. Donc, si on reprend, on voit bien que quand on est tout en bas de la pyramide, on va travailler un peu de manière indirecte en donnant de l'info, etc., etc. Mais là, le prospect, il ne sait pas. Et plus vous allez monter, plus vous allez éduquer votre prospect, plus vous allez arriver tout en haut à la partie vente, en fait. Parce que votre prospect aura pris conscience petit à petit que c'est de vous dont il a besoin. Ceci pour dire que
Votre client, il entre peut-être dans votre système d'emailing ou dans votre, peu importe, hein, dans votre groupe Facebook, peu importe, il peut rentrer et ne devenir client que quelques semaines, quelques mois, même quelques années après, parce que on a plus ou moins, certaines personnes ont plus ou moins besoin de temps de réflexion. Après, il y a les situations propres à chaque personne, mais il y a besoin de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que un prospect va pas vous acheter comme ça. En 2 secondes et demie, sans vous connaître quelque chose. Donc, à partir du moment où vous essayez de faire du forcing en vendant quelque chose à quelqu'un qui ne vous connaît pas, c'est des coups d'épée dans l'eau, c'est de l'épuisement pour rien. Il faut amener petit à petit à éduquer votre prospect pour que aussi, pourquoi, très très important de faire ça, parce que quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans la vente, vous êtes dans l'échange, dans le partage. D'accord? Donc, vous n'avez pas à vous faire violence. Et quand la personne arrive en haut de la pyramide et qu'elle vient vers vous, vous n'êtes pas dans un système de vente vraiment. Alors que si vous essayez de vendre des choses à des gens qui ne sont pas du tout éduqués, qui ne savent pas qui vous êtes, etc., etc., là, vous forcez. Et comme en général, en tout cas pour toutes les personnes que j'accompagne, très très souvent, on n'est pas des commerciales, nous ne sommes pas des vendeuses non plus, on n'est pas hyper à l'aise avec tout ça. Donc cette façon de faire, en fait, vous permet de vous épargner de faire du push là, ou le pied dans la porte pour essayer absolument de vendre un truc, et qui d'ailleurs prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et ça ne fonctionne pas. Voilà pourquoi on éduque petit à petit son prospect pour venir à la vente. Voilà ce que je voulais vous dire pour ça. Donc je vais regarder, parce que du coup je m'aperçois que je n'ai pas regardé. Hop, je vais regarder un petit peu qui j'ai là. Donc Annie, Ariane, Carole, Armelle, Francine, Nancy, Margot, ok. Eh bien oui, je vois le hashtag live de Mario, de Margot. Ça me fait penser, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié, je le dis en général au début. Celles qui verront ça en replay, vous mettrez un petit hashtag replay pour me dire que vous avez vu cette vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les postez. Oui, voilà, Annie, pas commercial du tout. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on fait comme ça. C'est justement pour ne pas avoir à faire du commercial quand on n'est pas du tout, quand on n'est pas du tout enfin, en accord avec ça. Ça se fait vraiment, voilà, ça se fait vraiment de manière naturelle. Alors, je profite, j'ai pas de questions. Je profite pour vous dire qu'il reste quelques places pour le Vega Boost pour celles qui voudraient décoller en un mois en janvier. On commence le 10 janvier. Il y a déjà 4 personnes inscrites. Il reste 6 places. Donc, venez vite nous rejoindre pour profiter de la méthode Vega, mais dans un concentré d'un mois pour décoller et vraiment avoir tout ce qu'il faut pour vous. Ok, top! Pas de questions, je vous dis à très vite, à bientôt et bonne journée et bonne fête pour celles que je ne verrai pas et puis à très vite pour celles que je vais avoir. Ciao, ciao, ciao!